Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des mises en page complexes dans les différentes bascules d'un widget de bascule. Donc les bascules, c'est ces fameux éléments où quand vous cliquez dessus, voilà, bascule d'un onglet à un autre en fait. La différence avec les onglets, c'est que les onglets, c'est plutôt horizontal, tandis que les bascules, c'est vertical. Donc là, vous voyez que dans chaque bascule, on a trois colonnes. Avec différents éléments, on a des listes à puces. Donc, on va reproduire ce schéma. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un modèle de section pour chacune de vos bascules. Donc, là, ça sera un premier modèle. Ici, ça sera un second. Et là, un troisième. Donc, je ne vais pas faire les trois. Je vais vous montrer le principe sur la première. Et ensuite, je vous montrerai comment insérer le contenu dans les différentes bascules. Donc, ça c'est ma page où je vais venir afficher mes bascules. Quoique je peux le faire aussi ici. En fait, oui, on va commencer donc par créer en fait nos trois colonnes avec nos trois listes à puces. Donc, la première chose à faire, c'est donc de trouver, de créer pardon, trois colonnes. Puisque là, on en a trois. Et dans chaque colonne, on va venir glisser un widget éditeur de texte. Voilà. Et donc, on va venir copier à chaque fois tout le texte, en fait. Pardon. On fait copier-coller, on s'embête pas. Là, c'est pour l'exemple, hein, n'allez pas piquer le contenu de notre site, surtout. Donc là, on va mettre, pardon, ici. Titre 2. Alors, par contre, ça m'a pris tout le. Alors, c'est pas forcément bon ce que j'ai fait. Allez, on va reprendre. Je supprime tout parce que vous voyez que ça fait du copier-coller, forcément on récupère tout le code du reste. Donc on va faire un décomposé. Me mets en titre 2 et ensuite je récupère ma liste à puces. Voilà, donc on va faire ça pour les trois. Donc là, je vais couper pour gagner un peu de temps, enfin pour vous faire gagner du temps au niveau de la lecture de la vidéo. Je reprends aussitôt. Voilà, donc j'ai reproduit donc mes trois listes à puces. Et donc je vais enregistrer mon brouillon pour ne pas perdre en cas de fausse manipulation, pardon. Et donc ici, je vais venir enregistrer cette section comme modèle. Donc pour enregistrer une section comme modèle, vous positionnez la souris sur les poignées ici, vous faites un clic droit et vous cliquez sur enregistrer comme modèle. Et là, vous saisissez le nom de modèle. Donc là, je vais marquer ma première bascule. Vous cliquez sur enregistrer. Et vous voyez, ma première bascule a bien été enregistrée. Maintenant, je vais vous montrer comment l'insérer dans votre bascule. Donc, pour ce faire, je vais ici afficher une bascule. Et je vais même me permettre de supprimer ici. Donc, je vais chercher mon widget bascule. Je glisse, je le dépose. Voilà. Et donc dans la bascule numéro 1, je vais venir ici insérer le modèle que je viens de créer. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un éditeur de texte assez sommaire. Voilà, on n'a pas accès au code courant. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc aller dans l'administration de WordPress. Vous allez à Elementor en dessous modèle. Vous cliquez sur modèle enregistré, pardon. Et comme c'est une section, on va cliquer sur section. Et vous voyez qu'ici, tout à droite, vous avez le code court ou shortcode qui correspond à chacun de vos modèles. Donc là, moi, c'était ma première bascule. Donc je copie mon code court.
et je viens le coller là où je veux afficher donc mon modèle, c'est-à-dire dans la bascule numéro 1. J'enregistre mon brouillon. Et maintenant, on va aller vérifier côté visiteur, enfin en prévisualisation, on a bien notre contenu qui s'affiche. Je vais à nouveau couper la vidéo, je vais vous faire une deuxième bascule pour vous montrer que ça a bien changé ici. Et je vous reprends donc aussitôt. Voilà, donc finalement, j'ai créé les modèles pour les deuxième et troisième années. Puisque là, comme vous voyez, on a une mise à page qui est sensiblement différente, puisqu'en fait, on a 6 blocs dans 3 colonnes, mais surtout un affichage distinct. Donc en fait, j'ai créé deux modèles de section pour la troisième année, le premier ici et le second là. Et je vais vous montrer comment les afficher donc, dans notre page. Donc ici, on a la bascule 1. Donc la bascule 1, en fait, je vais renommer comme année. Hop, pardon, le titre il est là. Donc on va mettre première année. On va s'embêter. Ici, donc, deuxième année. Donc ici, je vais venir coller, pardon, mes codes courts. Donc je retourne ici, je renouvelle ma page puisque j'ai créé mes modèles depuis. Je vous rappelle, hein, on va dans sous Elementor, on va dans modèle enregistré, et donc là, modèle de section. Donc nous, on va prendre déjà le modèle de seconde année. Donc je copie, je colle. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre brouillon pour ne pas perdre votre travail en cas de mauvaise manipulation. Voilà. Et donc on va venir ajouter un élément pour faire notre troisième bascule, troisième année. Et dans le contenu, on va venir chercher les deux codes courants. Donc pour troisième année, première section, troisième année, deuxième section. Dans l'ordre, je copie, je colle mon premier code court, je vais à la ligne, je copie mon second code court. Je colle, enregistrer brouillon, et donc on va venir voir le résultat tout de suite. Donc première année, on retrouve bien notre première section, deuxième année, la seconde section, et la troisième année, on a bien nos deux sections qui sont l'une au-dessus de l'autre. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce vers le haut ici, et à partager sur les réseaux sociaux, donc en sélectionnant le réseau social par ici. Donc par exemple, on va prendre Twitter, ça va ouvrir une fenêtre, vous pouvez personnaliser le texte si vous voulez, mais faites attention de ne pas supprimer ou modifier l'URL de la vidéo, auquel cas elle ne serait plus accessible. Et vous cliquez sur Tweeter. Dernière chose avant de vous quitter, n'oubliez pas de dérouler la description de la vidéo en cliquant sur « plus » pour voir les éventuelles informations complémentaires liées au tutoriel que vous êtes en train de visionner. Et vous trouverez ensuite tout un tas de ressources que vous pourrez juger utiles ou non. Et je me dois de vous informer que ce sont des liens affiliés pour la plupart. C'est-à-dire que si vous cliquez sur ces liens et que vous réalisez un achat grâce à ce lien, je vais toucher une commission. Ceci dit, ça ne vous coûtera pas plus cher. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ça peut être un bon moyen pour vous de me remercier, si vous souhaitez de me remercier, ou de me motiver à faire de nouveaux tutoriels vidéo, car je vous le rappelle, tous ces tutoriels vous sont proposés totalement gratuitement, et donc ça peut être un bon moyen soit de me remercier, soit de me motiver à en faire toujours plus, sans que ça vous coûte quoi que ce soit. D'ailleurs, pour preuve, si on va chez O2Switch, vous pouvez aller directement sur le site O2Switch ou cliquer sur le lien, si je le retrouve, voilà, ici. Que vous passiez par mon lien affilié ou pas, vous payerez de toute façon 5€ hors taxe par mois, en sachant que c'est un hébergeur de qualité que je recommande pour tous y voir.
site WordPress, et même pour des sites qui ne sont pas faits avec WordPress, si jamais vous utilisez d'autres CMS ou que vous codez vos sites vous-même. Voilà, mais écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!